Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là dans un moment de partage avec le Seigneur. Et nous savons que aujourd'hui, il y a une personne qui sera bénie à travers l'écran. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler à une seule personne. Une personne qui a vraiment la conviction que Dieu va lui visiter, que Dieu va lui parler aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on puisse partager la parole de Dieu, mais avant de partager la parole de Dieu, nous allons bénir le nom du Seigneur. Seigneur, que ton saint nom soit glorifié, que ton saint nom soit exalté, que ton saint nom soit magnifié, et que ton Esprit Saint, Seigneur, soit à l'œuvre, afin que, Seigneur, Dieu de gloire, ton saint nom soit glorifié encore et à jamais, dans le nom de Jésus, et ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais bien parler d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de parler. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de qualifier. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de valider. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de faire beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Car nous sommes au temps de la fin. Et c'est le moment du Saint-Esprit, c'est le moment où le Saint-Esprit est en train de parler à travers des hommes, à travers des hommes de Dieu, à travers des serviteurs, à travers des femmes de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y eut un moment dans le livre de Genèse, chapitre 27, la Bible dit « Isaac devenait vieux et ses yeux s'était affaibli au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils, et né lui dit, « Mon fils !» Et lui répondit, « Me voici !» Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporté. Bien-aimé, c'est un très bon message. C'est un message qui vient de la part de notre Seigneur. La Bible dit que Isaac, bien-aimé, Isaac n'arrivait plus à voir. Isaac n'arrivait plus à voir le jour, de regarder les hommes, de voir les hommes. Mais la Bible dit que il a parlé, il a dit à Ésaü, Ésaü, va me chercher du gibier afin que je puisse te bénir. Pourquoi bénir Ésaü? Parce que Ésaü, il était destiné de recevoir la bénédiction de son père pour faire la continuité de l'héritage de son père. La Bible dit qu'il y a Rebecca qui était à côté. Elle était en train d'écouter les dires, les propos de Isaac pour bénir Ésaü. Mais la Bible dit que, à un moment, la femme Rebecca, elle est allée voir son fils Jacob, pour lui dire, « Oh Jacob, Jacob, j'ai entendu les propos de ton père. Il veut bénir Ésaü. Mais moi, j'avais eu la révélation et que c'est toi qui va faire la continuité de l'héritage de son père. » Bien sûr, bien-aimé, Jacob s'est discuté avec sa maman, « Comment je peux faire une telle chose alors que c'est pas moi, c'est Ésaü ?» Mais Rebecca lui a dit, non. Moi, le Seigneur m'avait révélé. Bien aimé, cela veut dire tout simplement et que Rebecca, elle était le type du Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit écoute, le Saint-Esprit prend les choses auprès du Père pour transmettre à nous les hommes. Donc, Rebecca, bien-aimée, elle était le type du Saint-Esprit. J'aimerais bien dire à une personne, là où tu es assis, là où tu es assise, bien-aimée, le Saint-Esprit de Dieu,
Il va te qualifier par rapport à ce que Dieu avait prévu pour toi. Même si les hommes ont prévu des choses bien-aimées, contraires à la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit, il sait comment te qualifier. Le père Isaac avait qualifié Ésaü, selon la loi, c'était le fils aîné qui doit faire la continuité. Mais selon l'Esprit de Dieu, ce n'était pas Ésaü qui doit faire la continuité, mais c'était une personne qu'on appelle Jacob. Jacob qu'on avait nommé voleur. On t'a nommé des noms, on a dit que toi, tu ne peux pas faire ceci. On a dit que tu as tellement avorté. C'est pas à toi de faire la continuité d'une famille. Laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit va qualifier une personne malgré ta condition, malgré que tu as beaucoup avorté, malgré que tu as fait des choses qui n'est pas digne aux yeux des hommes. Mais le Saint-Esprit t'a qualifié. Le Saint-Esprit te qualifie. Le Saint-Esprit te dit que malgré tout cela, moi, je te dis, lève-toi et tu vas faire la continuité des affaires. Tu vas faire la continuité de la famille. C'est toi qui vas ramener le peuple de Dieu dans le bon chemin. Malgré que tu as avorté, malgré que tu as fait des choses abominables, mais c'est toi que Dieu va choisir. C'est toi que Dieu a choisi malgré tout. Bien-aimé, oh, Jacob, il avait peur d'accepter cela. Mais la Bible déclare, oui, la Bible déclare, et que Rebecca lui a dit, Jacob, ne crains rien, ne crains rien, n'aie pas peur, fais ce que je te demande. Là où tu es, parfois tu as peur. Tu as peur de rentrer dans le ministère parce qu'on t'a dit que toi, tu n'es pas stable, que toi, tu n'es pas marié, parce que toi, tu n'es pas ceci. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque le Saint-Esprit, bien-aimé, te qualifie, lorsque le Saint-Esprit te donne la force d'aller, bien-aimé, il faut aller. Ne regarde personne. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Écoute tout simplement la voix du Saint-Esprit. C'est la voix la plus meilleure. C'est la voix, bien-aimée. C'est cette voix-là qui nous emmène vers l'excellence. Ce n'est pas des hommes qui nous emmènent vers l'excellence, mais c'est le Saint-Esprit qui nous emmène vers l'excellence. Le Saint-Esprit a emmené Jacob. Jacob qui était faible. Jacob qui était tranquille. Mais bien-aimé, Ésaü, il était un homme du dehors. Mais la Bible déclare que Dieu a choisi Jacob pour faire la continuité. Pour faire la continuité du royaume. Pour faire la continuité d'une famille. Dieu a choisi Jacob. Dieu n'a pas choisi Ésaü. Malgré que la loi était là. Oh mon frère, ma soeur, malgré la loi, le Saint-Esprit te dira, malgré la loi sera brisée, la loi sera détruite, la loi sera épargnée, la loi sera foudroyée par le feu du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit t'a choisi. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit de Dieu est en train de qualifier des hommes, est en train de qualifier des femmes, est en train de qualifier une personne qui est faible, une personne qui se dise, oui, je ne peux plus servir le Seigneur parce que moi, les hommes de Dieu ont abusé de moi. Non, tu ne peux pas rester à la maison parce que le Saint-Esprit t'a déjà qualifié. Le Saint-Esprit t'a déjà dit quelque chose. Le Saint-Esprit t'avait donné déjà quelque chose. Tu dois te lever pour dire, oh, pour ramener le peuple de Dieu vers l'excellence. Et Jacob a ramené le peuple de Dieu vers l'excellence parce que Jacob a écouté une personne, Rebecca. Et Rebecca, c'est le type du Saint-Esprit. Et lorsque, bien-aimé, le Saint-Esprit intercède pour toi, lorsque le Saint-Esprit de Dieu prend les choses au Père pour transmettre à une personne, le Saint-Esprit a pris, bien-aimé, soin de transmettre, bien-aimé, la chose en question à Jacob. C'est à toi que le Saint-Esprit va transmettre. C'est à toi que le Saint-Esprit va donner. C'est à toi que le Saint-Esprit de Dieu va qualifier. C'est pas un tel, c'est pas ta voisine, c'est pas ton voisin, mais c'est à toi que le Saint-Esprit va te qualifier. Le Saint-Esprit a qualifié Jacob. Malgré tout, malgré l'oppression, malgré la pression,
Mais le Saint-Esprit a jugé bon. Le Saint-Esprit a dit non, c'est Jacob qui va faire la continuité. Celui qui écoute. Et lorsque Dieu cherche à bénir une personne, la Bible déclare, le Saint-Esprit intercède pour nous. Et par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit bien-aimé intercède. Le Saint-Esprit ramène ces soupirs qui n'est pas exprimé pour exprimer auprès du Père, afin que la solution arrive. Oh, nous sommes au temps où nous devons avoir des bonnes relations avec le Saint-Esprit, et non de bonnes relations avec des hommes, mais de bonnes relations avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre mentor, c'est le Saint-Esprit qui est notre père spirituel, c'est le Saint-Esprit qui est notre berger, c'est le Saint-Esprit qui est notre prophète, c'est le Saint-Esprit qui nous montre les choses à venir. Ce n'est pas un homme. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus pleurer. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller de gauche à droite. Lorsque tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne vas pas dire, oh, le pasteur a abusé de moi. Oh, le prophète m'a volé de l'argent. Oh, le prophète a volé ceci. Mais non, oh, cette église-là n'est pas une bonne église. Le Saint-Esprit va t'indiquer une vraie église. Une bonne église. Bien-aimé, il y a des fausses églises. Il y a des vraies églises aussi. Là où l'Esprit de Dieu règne. Là où l'Esprit de Dieu assit. Là où l'Esprit de Dieu se montre. Bien-aimé, malgré des hauts et des bas. Mais il y a des vraies églises. Là où l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment. C'est ça la vraie église. C'est ça la vraie église. Oh mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses avoir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ, étant que Dieu sur terre, il nous a montré le Père. Et notre Père bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui nous montre. Le Saint-Esprit est notre boussole. Le Saint-Esprit de Dieu dirige le capitaine dans un bateau. Le Saint-Esprit, c'est la boussole. Oh, frère, ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes autant de bonnes relations. Nous sommes autant de bonnes relations. Si Jacob n'avait pas eu de bonnes relations avec Rebecca, Jacob allait passer outre. Jacob allait passer à côté. Heureusement pour Jacob, Jacob avait tissé de bonnes relations avec Rebecca. Et Rebecca lui a transmis le message qu'elle avait écouté à Isaac dans le palais. C'est la même manière que le Saint-Esprit prend des choses dans le ciel pour transmettre à qui il veut. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te fera du bien. Ne crains rien. Lève-toi là où tu es. Prends ta natte. Lève-toi là où tu es. Ne pleure plus. Continue à servir le Seigneur. Malgré qu'on t'a piétiné, malgré qu'on te dit que toi tu es faible, tu n'es pas bien enseigné. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Il enseigne mieux que les hommes. Il enseigne mieux que les pasteurs. Il enseigne mieux que les prophètes. Il enseigne mieux que les évangélistes. J'aimerais bien te dire, oh mon frère, ma soeur, lève-toi, ne crains rien. Lève-toi. Il est temps pour toi, il est temps de tisser des bonnes relations afin que tu puisses ramener le peuple de Dieu dans un territoire que Dieu avait prévu. Il est temps, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je veux prier pour une personne. Éternel des armées, toi qui règnes. Éternel des armées, toi qui es au-dessus de toutes choses. Je prie pour une personne faible, Seigneur Père. Je prie pour une personne qui n'arrive plus à se lever. Je prie pour une personne qui a peur de se lever parce qu'on lui a dit, oh oui, il est faible comme Salomon, alors que Dieu avait jugé bon de mettre Salomon sur le trône. Malgré sa faiblesse, malgré qu'il n'était pas fort, mais Dieu a jugé bon. Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui est en train de nous regarder. Oh Seigneur, que ton Esprit Saint soit manifeste puissamment sur la personne, afin que cet homme, afin que cette femme se lève encore dans le ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mbote bande kobalandi à Partol TV. Na komona yesu zangai mama ebo akadito pesa na mayele ya solo na lingai ko pesa mwa maloba moke pamba te zana baninga na biso mususu baza koluka vraiment o balingi ko benga par telefone ma solo makambo ezali ebele mwaye ezali te ya solo to zwindingi sa mususu ekozala malamu ko benga na numero oyo ezali afiche ya Partol
soki yo zali na likambo na yo o lingi koleka sur place eza malamu mama eza malamu papa obengi opesi lisolo na yo biso tokopesa yo date moto okozwa na telefone ya kopesa yo date mokolo ya date wana nde soki toza tokobenga yo avant une heure comme ça tozwa yo en direct opesa lisolo na yo na nkombo na yesu tozangi mpe te kosenga yo ndeko yaka oyo omoni oza kapable yo moko ya kobima tozangi mpe te ya kosenga yo ndeko oyo oza na lisolo olingi opesa direct benga kaka na meme nimero opesa lisolo nde tokoloba liloba na yo lisolo na yo ekosunga mpe baninga oyo baza na ka lokwa yo na nkombo na yesu Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet. Partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuse, Canal+, Bein Sport et Pactole TV. N'attendez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, le majestique hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo. Kisika ya kulala même monana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Boleka na Pactole TV poete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso neza pepa ne change pas la télé c'est Pactole TV je vous invite que Dieu vous bénisse.